Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente la décontamination de la peinture de cette Kia Soul EV 2018. Qui dit décontamination dit particules de rouille partout sur la carrosserie. Surtout sur les voitures blanches, c'est pire. Mais dites-vous que, excusez-moi, peu importe la voiture que vous avez, la couleur que vous avez, je veux dire, il va avoir les mêmes particules, c'est juste qu'ils sont moins apparents. Mais le travail consiste, en fait, c'est la même affaire. Souvent, il y en a qui pensent que les particules de rouille, c'est signe que, oh, ma voiture commence à rouiller déjà, la peinture commence déjà à rouiller. Non, c'est pas ça. C'est juste, comme je dis, c'est des particules qui partent des freins puis qui vont se coller à la peinture pendant toute la saison, pendant toutes les années que vous n'avez pas fait d'entretien de peinture. Donc, il y a des produits qui se vendent pour ça. Cette voiture-là, elle a 20 000 km, elle n'a jamais été traitée, il n'y a jamais eu de cire, il n'y a jamais eu de scellant, il n'y a jamais eu de nano. Donc, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup contaminée. Fait que moi, il y a plusieurs produits que le monde utilise. Moi, j'utilise une barre d'argile avec un lubrifiant pour la barre, ainsi qu'un nettoyant de particules de rouille. C'est un nettoyant acide, mais un acide doux qui n'est pas dur pour les peintures. C'est sûr, ça prend un peu de jus de bras, mais on n'a pas besoin de vraiment forcer bien fort. Il faut juste vraiment promener avec la barre d'argile, puis surtout bien lubrifier la barre d'argile et la peinture. Bref, je vous montre tout ça dans la vidéo qui suit. Pour commencer, je vais vous montrer un peu les particules de rouille. On en a des bonnes ici, là. Il y en a partout, la carrosserie en est pleine. Vous pouvez voir, ici c'est la saleté normale, le goudron, mais surtout, regardez, même si on veut l'enlever, ça ne passe pas, elle en est pleine. Surtout, plus qu'on se rapproche des roues, plus qu'on se rapproche des freins, pire c'est. Des particules. Il y en a partout. Donc, je vais tout enlever ça avec une barre d'argile. Ok, on va regarder. Moi, je les vois bien comme il faut. Là, j'ai ma lumière est pas prête. Là. Mais on voit, là, regardez la belle les belles graphines qu'il y a là. Il y a plein de cheveux d'ange. Là, tu vois, c'est des graphines partout. C'est des graphique de probablement de balai à neige là. Il y en a, la voiture est pleine. On la voit bien comme il faut là. On va faire un polissage avant. Ben là, il faut que je fasse la décontamination pareil. Mais je vais faire un polissage avant d'appliquer mon scellant de peinture. Bien important, faire un bon lavage avant de faire une décontamination ainsi que polissage et cela.
la barre d'argile est faite, la décontamination, ça enlève pas tout avec la barre d'argile. C'est pas mal moins pire que c'était. C'est plus luisant aussi, on peut voir. Et il en reste encore. Ceux qui restent, là, c'est ceux qui sont dans la peinture. Ils sont dedans. Mais il y en a pas mal moins. Ça enlève à peu près 30% à bord d'argile. Le reste, il faut enlever ça avec l'acide doux que je vais étendre. Puis essuyer avec un microfibre après. C'est déjà pas mal mieux que c'était. Après avoir appliqué l'éliminateur de particules de rouille, le laisser agir pendant environ 10 minutes. Ensuite, rincer à grand eau et essuyer la carrosserie. Décontamination faite. Il n'y a plus rien. C'est luisant, mais c'est plein de boréoles. C'est bien plein de cheveux d'ange. Là. En tout cas, moi, je les vois avec la caméra. Je ne sais pas si on les voit bien. Là. On va le voir, mais que je fasse le montage. Mais décontamination faite. Plus aucun grain. Donc, je vais embarquer sur le polissage. Thank you.
commencer de l'autre côté. Je suis encore toujours à ma première phase de compound. Je sais pas si on peut le voir sur la vidéo là. Regardez ici les marques partout là. Regardez si je m'en vais au bord là, la porte est faite ça. Si je reviens sur l'autre porte, oh là c'est hein, il y a de la belle graphine. On retourne sur l'autre. Je continue.
pâte à polir Campong. J'avais ça. Parce que là, les détaillants, là, ils sont pas. Il n'y a personne d'ouvert. Fait que j'ai commencé par couper avec ça, ce produit-là. J'ai réussi à faire une belle job pareil, mais c'est pas à mon goût. Il est resté des petits défauts là, que j'ai pas été capable d'enlever. Surtout sur le coffre arrière. Là. Le reste de la carrosserie est super belle. Là. Je vais prendre ma lumière. Je sais pas si on voit avec ça, là, mais. C'est sûr que c'est beaucoup mieux que c'était. Beaucoup, beaucoup mieux que c'était. La porte n'est pas fermée ici. Je sais pas si on peut voir. Mais j'ai de la misère avec les petits défauts. Hein. On les voit. Ici, c'est beau. C'est surtout le coffre arrière. On les voit pas avec la caméra, je pense, mais. Il me reste des petites barrioles, des petites graphines, là, mais il était profond. C'est le coffre arrière, c'est lui qui mange le plus de coups. Hein. Non, la porte ici aussi n'est pas bien fermée. Okay. On peut voir que ça a redonné de l'éclat, beaucoup d'éclat. Puis les cheveux d'ange, il n'y en a plus. Il n'y a plus de cheveux d'ange, il n'y a plus de traces de balais non plus. Mais c'est pas 100%, moi je suis difficile, c'est pas 100% mon goût. Là, il me reste les miroirs à faire. Comme je dis, il est resté 2-3 places qu'il y a des bonnes en cavure. Là, ouais. Ça aurait pris plus un abrasif beaucoup plus. Rough pour ça, là, c'est sale ici, là, avec la poussière. Mais la plupart des défauts sont partis, il n'y a plus de cheveux d'ange. Il reste quelques petites graphines, mais ils sont en profondeur. Donc c'est dur à couper avec cette pâte-là que j'ai. Après ça, j'ai pris la pâte de finition. Tampon bleu, facile, on peut pas se tromper. Puis tampon jaune, c'est pour couper dans le vernis. Puis il reste le scellant. Le scellant, ça va redonner encore plus d'éclat à la peinture. Et déjà là, elle est pas mal plus belle qu'elle était. Scellant qui me reste à mettre. On va appliquer ça. Puis je vous reviens avec les résultats. Pour l'application du scellant peinture, c'est très simple. Comme vous pouvez voir dans la vidéo, présentement, j'ai changé de tampon. C'est un tampon gris de Silver Wax, un tampon beaucoup plus mou. Ensuite de ça, on prend que quelques gouttes au début. On met 3-4 gouttes, on l'étend sur le tampon pour le rendre un peu plus humide de liquide. Ensuite de ça, à chaque application, on en met une à deux maximum. Puis on met une fine couche de scellant peinture. Contrairement au Campong, on ne l'essuie pas tout de suite. On attend de 20 à 30 minutes pour laisser agir le produit sur la carrosserie. Ensuite, on peut l'essuyer avec un microfibre. Pour cette dernière partie du vidéo, j'ai coupé pas mal toute l'application du scellant peinture car c'était beaucoup trop long. Dans quelques secondes, juste pour vous dire que les travaux effectués sur la voiture, ça m'a pris quasiment 12 heures. Faire lavage, décontamination, ensuite Campong de finition, puis polir.
Mais le résultat en vaut la peine, les heures, ça valait la peine de faire ça. Fait que je vous montre ça tout de suite. À vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi que partager cette vidéo ainsi que les autres vidéos et on se souhaite recommencer à travailler bientôt. Donc prenez soin de vous. À la prochaine.